plus souvent on peut se tromper d'objectif. Pourquoi je le dis? Il y a des entrepreneurs qui s'emballent les pinceaux, qui sautent les étapes. Ils pensent déjà à étendre un produit qu'ils ont déjà eu à mettre sur le marché sans pour autant tenir compte de l'ensemble des aspects qui composent des détails qui peuvent intéresser le client ou bien la cliente. Avant de penser d'abord à étendre un produit, il faudra y mettre des rapports assez qualitatifs, du moins, excusez-moi, sur l'ensemble. Ceci va permettre déjà dès l'appréhension du prototype test, à savoir le produit initial que vous avez réalisé. L'appréhension que vos prospects auront de ce produit, c'est ce qui va déterminer réellement le futur de votre produit qui sera adopté ou pas. Donc il ne faudrait pas que les gens puissent déjà sauter les étapes. Essayez de faire le maximum pour mettre déjà les détails, c'est ce qui différencie un entrepreneur d'un autre. Si le produit il est assez fin, si le produit il y a de la finesse, respecte carrément le produit. Parce qu'en réalité, le produit que vous allez mettre sur le marché, c'est un prolongement de votre personnalité. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que j'ai telle personnalité alors qu'à travers votre produit, on n'arrive pas à voir la différence. Essayer de faire le maximum pour que vous allez mettre sur le marché pour puisse refléter carrément votre personnalité. Et ça, lorsqu'une personne sera en contact avec ce produit, à savoir le vôtre, les mains qui ont à faire ce travail derrière, comment ils sont. Donc d'où l'importance de ne pas penser que il faut pour le mettre sur le terrain. Mais il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, le façonner, faire de telle sorte que dès le produit sera disponible sur le marché, avoir assez de qualité pour que les gens puissent l'adopter. Ça, c'est ce qui différencie les entrepreneurs des autres. Donc, ne sautez pas. Prenez le temps de voir, prenez le temps de faire des recherches, prenez le temps d'affiner votre produit jusqu'à ce que ça soit un produit facilement adopté sur le marché. Car si vous l'oubliez, je vais vous le rappeler, sur le marché, il y a assez de produits qui peuvent être similaires à votre produit, mais la seule différence qui se fera, c'est par rapport déjà à la finesse, c'est par rapport au rapport, c'est par rapport à l'histoire, à l'émotion que va transmettre votre produit une fois que ça sera disponible. Ne l'oubliez pas, surtout, prenez le temps. Ici votre coach, Dr. Babacar Diop, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la notification, la cloche de notification de nos prochaines vidéos. Inch'Allah. Mettez en commentaire si vous avez des questions et tout, donc nous tenterons d'y répondre. À la prochaine rubrique et les bons réflexes. Merci, Minute Entrepreneuriat.